Eh bien, bonsoir à tous, une petite vidéo de l'avancée du soir. Donc, ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc voilà, ce qui est déjà branché. J'essaie de tester les branchements, ça c'est nouveauté de cette année. Voilà, celui qui disait toujours que les deux n'étaient pas branchés, c'est parce qu'ils n'étaient pas sur le même circuit, donc voilà, ils sont branchés tous les deux. Je sais pas si vous entendez, on entend les grues cendrées qui s'en vont. Donc le jouet Noël avec les deux étoiles. Blanche-Neige. La sorcière. Voilà. Donc ici le haut haut haut. J'ai mis les petites LED que j'avais les dernières autour du bassin. J'ai remis mon panneau pôle nord. Là on voit que la cascade elle s'écoule bien. Voilà. Donc ici on a déjà vu. J'ai mis un hélicoptère. Voilà, là on voit bien le haut 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 qui est branché complètement, mais haut haut haut. Alors là j'ai déjà commencé à mettre les barrières, après il faut mettre les LED, habiller, les guirlandes dessus pour que ce soit joli. Donc là ça me protège un petit peu des visites. Ah, j'ai pas branché ma rivière. Bon bien voilà, j'ai rebranché la rivière. C'est quand même plus joli quand la rivière coule. Ah, donc ça, ça va être décoré, toutes les barrières, rassurez-vous, on va pas laisser ça comme ça. Le traîneau du Père Noël que je vous ai déjà montré. Et là, donc c'est un nouvel espace qui sera créé cette année, avec les cadeaux, le sapin. Voilà. Donc une nouvelle partie qui sera créée ici. Là, vous voyez qu'il y a de la place. Donc avec le sapin de Florian. Donc là, il y a tout un espace qui va se créer avec le Père Noël, tout ça, les cadeaux. Voilà, il manque une étoile en haut du sapin, rassurez-vous, elle y sera. Voilà, donc au niveau du test débranchement, tout va bien pour l'instant. Tout ce que j'ai mis fonctionne. Voilà, donc maintenant je vais débrancher et je vais en profiter pour aller manger. Ça commence déjà à ressembler à un Noël. Comment on dit en anglais? It's beginning to look around like Christmas. Voilà donc la cascade avec le traîneau derrière. Voilà donc là on a une petite vue déjà d'ensemble qui rend déjà pas mal. Voilà. Donc j'essaie toujours d'avoir cette partie là allumée pour Halloween quand les gamins viennent chercher les bonbons. Donc vous voyez que c'est déjà bien parti.